et Lyonnais qui ralentissent pour l'instant, qui sont bien en place. On essaie de contourner, il y a des espaces qui s'ouvrent, mais on n'a pas le temps avec Rudy Wolf qui a quand même cassé un plaquage. Le soutien de Maxime Mermoz qui va essayer de retrouver la continuité du jeu. Klaasens qui allonge vers Voslo. Voslo, il y avait un surnom à l'extérieur, on avait bien fermé de côté d'Estebanez. Ouais, c'est monté rapidement, c'est monté inversé. Et là, vous voyez, les ballons sont repassés vite pour mettre en danger cette équipe lyonnaise. Sanchez qui attaque la ligne, passé, il a vu un espace, Sanchez le refus, le retour intérieur peut-être, oui, le bras enroulé pour Orioli qui met de la vitesse mais qui n'arrive pas à passer les bras. Alors on essaie de sortir ce ballon, pas d'en avant pour Klaasens, c'était limite. Gorgodze avec Taofi Fenoa juste devant lui, on a retourné Gorgodze. Mais Touhi s'est un petit peu assommé et à l'extérieur, il y a un 2 contre 2, Wolf les appuie, la croisée avec David Smith. Mis au sol David Smith, il s'accroche, il se relève, il a le soutien de Voslo, droit devant Voslo. Il n'a pas marqué un essai tout à l'heure, ils sont sur un fil les Lyonnais, ouais. Avec Taofi Fenoa dans l'intervalle. Et avantage en cours. Gorgodze essaie de partir au ras, la défense. Et là il y a un décalage. Orioli le retour intérieur, finalement Sanchez passe les bras. C'est contact pour Mazoé, le voilà. Le premier essai de la rencontre en 2 minutes. Eh bien, ils vont inscrire quasiment 10 points. Les Toulonnais ont remis les choses à l'endroit et mènent désormais 11-6. Oui, on a vu hein, un peu plus de vitesse, un peu plus de prise d'initiative et d'intervalle, surtout pour mettre à mal cette défense lyonnaise. On a senti à la limite de la rupture. Et là, sur les dernières passes, avec Nicolas Sanchez qui a attaqué les intervalles, qui a réussi, là, on voit sur les images, à passer, à échapper au plaquage et à servir Jean-Charles Orioli. Bonne libération de balle rapide. Rudy Wolf. David Smith qui arrive à rester debout. Merci. Après. Voslo. Et là, la rapidité avec Klaasens. Orioli, Sanchez qui casse encore une fois de plus la défense. Et pour servir Chris Mazoé. Voilà l'action que les Toulonnais n'avaient pas réussi.